Salut à toi l'athlète, bienvenue de cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours en continuité avec celle de hier, voilà, que vous avez sûrement vu, si vous êtes des bons abonnés. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est essayer de voir avec vous les compétitions qu'il y a en Île-de-France. Il faut que je fasse beaucoup de compétitions, même si j'en ai pas du tout envie, voilà. Parce que c'est la période, voilà. Donc il faut chercher sa pique de forme, donc il faut faire des compétitions, voilà. Pour le moment, je vais me limiter aux compétitions en Île-de-France, parce que voilà, j'ai vraiment pas d'argent, voilà, c'est chaud. Donc je mettrai mon lien PayPal en description, si vous voulez me faire un don. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, je te laisse la possibilité de me dire en commentaire une compétition que t'aimerais que je fasse, voilà, que je participe, que je fasse, ouais. Je sais plus, voilà. Et puis on commence. Donc, si on retourne la caméra, on voit mon écran du Tiofu, voilà. Donc on va aller sur la FFA. Et on va espérer aussi qu'il y ait des compétitions, parce que s'il n'y en a pas, ben, je suis un peu mal. Je suis obligé de faire des compétitions à l'extérieur, et qui dit compétition à l'extérieur dit payer, hein, parce qu'il faut payer avant, même si tu fais une performance. C'est bien, mais moi j'aime pas avancer en fait. Tu vois les acomptes là, c'est pas un acompte en vrai, mais c'est un truc du genre, tu vois, t'as compris. Alors, on va dans haut niveau, on va dans équipe de France. Non, c'est pas vrai. on a le temps d'y aller. Il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça. Non, là plus sérieusement, on va aller dans compétition piste. Compétition à venir, ok. Et puis, donc on va zoomer un peu, comme ça vous allez voir un peu mieux. Voilà. Non, mais c'est vraiment. On va zoomer aussi par ici, comme ça vous allez bien voir. Donc là, on est allé dans calendrier des compétitions. On va baisser même là, voilà. Et en ce moment, voici toutes les compétitions qu'il y a. Donc on va pas non plus vérifier un à un chaque compétition. On va aller directement dans la barre de recherche, on va cliquer sur 2024, on va taper JO, non. Puis sérieusement, la L, on va taper 2022, type de compétition, on va mettre en piste, enfin stade plutôt. Et puis là c'est quoi? Là on va chercher, on s'en fout du type. On s'en fout aussi de ça. Ça aussi, on veut juste une compétition où il y a du disque. Ah oui. Donc pour finir, on a juste mis deux filtres, ok, pour pas avoir toutes les compétitions du monde. Le 2022 et la Ligue Île-de-France, ok. Comme ça, on va prendre toutes les compétitions où il y a du disque, ok. Bon, on peut pas mettre trop la discipline parce que j'ai remarqué que si je mettais la discipline ou même la catégorie, donc la catégorie je crois que c'est au-dessus, ouais, senior, oh là là, j'ai un oiseau qui est arrivé chez moi là, voilà, bah j'ai rien, voilà, super, donc on va retirer ces filtres et sans ça, ben on a quelques compétitions, parce que je pense que le fait d'avoir mis toute catégorie, ah ben, n'est pas une catégorie senior, tu vois, donc pas trop bien fait, mais c'est pas très grave, on va laisser passer. Donc voilà, et on descend jusqu'à avril, jusqu'à mai, pardon, plutôt. Donc on a pris notre petite feuille, le petit bic, on est à juin, parce que en réalité, alors on va dézoomer un peu, voilà. En réalité, on va pas faire une compétition ce week-end, vu que ce week-end, c'est le dernier week-end de mai. C'est ici, voilà. Donc, on est parti pour le premier week-end, soit le 4, le 5, pour voir s'il y a une compétition. Donc, il faudra tester tout ça là pour voir s'il y a une compétition de disque. Waouh! Non, il n'y en a pas beaucoup en vrai. Ça va, ça va. C'est parti. Thank you.
coup, la première semaine de juin, deuxième, troisième, il y a 3 semaines. Donc, 3 compètes, tu vois. Quoi? T'es de partir aussi au ça. Non, ouais, c'est mort. Enfin, je pense pas que tu peux arriver à m'inscrire dans une compétition là ce week-end. Tu serais un génie. C'est vrai. Mais garde ta magie pour plus tard. On ne veut pas utiliser toute la poudre, tu vois. Bon, eh bien, on a appelé quelqu'un qui connaît très bien le terrain et les compétitions, etc. Et c'était vraiment intéressant, tu vois. Vraiment intéressant. Il m'a confirmé des choses, il m'a rappelé aussi des choses que j'avais plus ou moins oublié. C'est bien. Là, je vais regarder tout ça, les placer sur le calendrier pour voir si ça rentre. On a quelques meetings plus ou moins intéressantes et le championnat aussi. Voilà. Donc, et en fonction de ça, on va aussi préparer le reste du travail, ok, les entraînements. Et puis voilà. Bon, c'était tout. Je vous dis ça très bientôt, les compétitions. On se dit à très bientôt aussi sur le terrain. Prenez soin de vous et ciao. Et n'oublie pas de t'abonner, hein? Parce que si tu as aimé cette vidéo et que tu en veux d'autres similaires ou dans le domaine du sport, eh bien il suffit juste que tu t'abonnes. C'est le bouton rouge tout en bas. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.